Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Nutrition et Bien-être. Alors, je me présente, je m'appelle Marie-Amélie Paul, je suis la créatrice de ce blog et de effectivement la chaîne YouTube qui est rattachée. Je suis également diplômée en nutrition et nutrithérapie et coach de vie, bien-être, développement personnel. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient très à cœur parce que c'est un sujet qui me touche vraiment personnellement également, dont on parle malheureusement assez peu, c'est comment vivre sans thyroïde. Bon, alors moi je vous partage d'abord mon parcours. Donc vers 16 ans, on me découvre des problèmes de thyroïde, d'hyperthyroïdie apparemment, mais à la limite frustre puisque, si l'on peut l'appeler comme ça, puisque les tests sanguins sont tout à fait normaux, mais un gloître finalement, donc une boule au niveau justement de la base du cou, et également une thyroïde multinodulaire. Et donc, les années faisant, je vais dire, mon endocrinologue a commencé à s'inquiéter du fait qu'effectivement la glande était multinodulaire et épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, un gentil mot commençant par C, n'est-ce pas? Alors quand vous avez 23 ans, bon, la seule chose que vous vous dites, c'est « Mon Dieu, enlevez-moi ça tout de suite !» Alors surtout qu'effectivement, à l'heure actuelle, on peut très bien vivre sans thyroïde. Je vais vous l'expliquer donc maintenant. Alors, effectivement, c'est une opération qui fait assez peur. Qui fait assez peur, pourquoi? Parce que notamment quand on est une femme, elle touche quand même une zone très esthétique, très, très sensible. Puis on sait quand même, et surtout à partir du moment où comment on fait des études scientifiques, dorénavant que la glande thyroïde est en fait le chef d'orchestre de toutes les hormones du corps, qu'elle régule effectivement le dialogue entre l'hypophyse, entre le cerveau, l'hypothalamus, qu'elle permet donc de produire différents types d'hormones qui elles-mêmes vont jouer le rôle d'intermédiaire à la production d'autres hormones. Bref, on se dit tout de suite comment je vais pouvoir faire sans cette glande qui est effectivement cruciale au niveau de la santé et donc au niveau de votre vie, concrètement parlant. Alors, donc, au niveau de l'opération, moi ce que je peux vous conseiller, si jamais effectivement vous êtes dans le cas d'avoir votre endocrinologue qui vous suggère l'opération, alors avant de vous faire opérer, bon, moi effectivement à l'époque on n'en parlait pas vraiment, mais allez voir un naturopathe, un nutritionniste ou une nutrithérapeute qui effectivement est spécialisé dans les problèmes de thyroïde, parce que bien souvent, les problèmes de thyroïde pour lesquels on vous recommande une ablation sont des problèmes de maladies auto-immunes, soit Hashimoto pour l'hypothyroïdie, soit effectivement Basedow pour l'hyperthyroïdie, ou d'autres troubles également qui peuvent être liés à des maladies auto-immunes. Et ça, effectivement, je veux dire, enlever votre thyroïde va effectivement résoudre le symptôme, entre guillemets, mais certainement pas la cause. Et donc, votre organisme de toute façon se fatiguera et s'épuisera malgré tout. Donc faites attention à cela. Très peu d'endocrinologues sont ouverts à la nutrition ou à la nutrithérapie et savent très peu en général l'influence que votre terrain alimentaire peut avoir sur effectivement la santé de votre chère glande en papillon. Mais bon, ça c'est à part. Donc, une fois qu'on vous programme effectivement une ablation de la thyroïde, je vous assure, n'ayez absolument aucune crainte, on serait très bien vivre sans. Alors, il faut savoir que les quelques jours après l'opération, vous allez ressentir donc des fourmillements dans les mains, un peu partout dans le corps. C'est normal, pourquoi? Parce que l'on a touché à la vascularisation des glandes qui se situent à côté de la glande thyroïde, qu'on appelle les parathyroïdes, et qui s'occupent en fait de la régulation du taux de calcium dans le corps. Calcium qui, effectivement, si on en manque, vous provoque des crampes, des fourmillements, etc. Ne vous inquiétez pas, là c'est juste le temps qu'effectivement le réseau sanguin autour des parathyroïdes se refasse et le taux de calcium est en général relativement bien stabilisé. Alors ensuite, c'est au rôle de l'endocrinologue de vous donner des hormones de substitution par voie synthétique, donc autrement dit par médicament. Vous en prenez tous les jours au matin à jeun. Et il faut parfois quelques mois, bon c'est parfois, ça dépend vraiment des personnes, ça dépend vraiment du terrain de ces personnes et de la manière dont elles réagissent aux hormones synthétiques. Chez moi, ça a été très vite, le taux d'hormones était vraiment très vite stabilisé, alors que chez d'autres personnes, ça peut vraiment être quelque chose d'assez chaotique. Donc surtout, prenez patience. Si vous n'êtes
pas vraiment en confiance avec votre endocrinologue après votre opération, changez, n'ayez absolument pas peur de cela. Je crois que c'est une opération suffisamment importante que vous puissiez prendre la meilleure décision pour vous et suivez également votre intuition par rapport à cela. Alors, une fois qu'effectivement les taux d'hormones sont stabilisés, ce que l'on vous dit en général très peu, c'est que vous devez adopter un mode de vie sain pour que votre foie, qui est en fait l'organe qui va prendre le relais de la transformation de ces hormones thyroïdiennes par rapport à votre thyroïde. Pourquoi ? Parce que l'on vous donne un substitut d'hormone thyroïdienne qui est inactif et il va falloir la transformer en hormone active. Donc on vous donne des T4 qu'il va falloir transformer en T3. Mais également, vous pourriez avoir des modifications de votre taux de TSH. Donc je ne vais pas rentrer vraiment trop dans les détails biochimiques de ces différentes hormones. Mais il est important que vous puissiez effectivement gérer plusieurs choses à côté. Par exemple, ne prenez pas vos hormones thyroïdiennes avec des jus d'agrumes. Prenez-les vraiment avec de l'eau pure afin de pouvoir commencer à stabiliser le relargage effectivement de ces hormones à partir du moment où vous êtes à jeun, donc la nuit, enfin je veux dire après votre nuit de sommeil. Et les agrumes, notamment les jus de pamplemousse surtout, ont la fâcheuse tendance à modifier l'absorption de cette hormone thyroïdienne pour en diminuer en fait la dose réelle que votre corps absorbe. Et donc, il peut y avoir des effets délétères et vont mettre en hypothyroïdie alors que votre dose, normalement, est tout à fait correcte pour votre physionomie et donc pour votre taille et votre poids. Alors, autre chose aussi, à partir du moment où, effectivement, on vous a enlevé la thyroïde pour une maladie de type auto-immun, vous devez mettre en place un régime tout à fait hypotoxique. C'est-à-dire que vous devez prendre soin de votre intestin, vous devrez prendre soin de votre foie. Alors, par régime hypotoxique, j'entends un régime qui est anti-inflammatoire, autrement dit un régime qui est sans gluten, sans lactose, avec de bonnes graisses, avec des fibres végétales, où vous diminuez l'absorption de viande rouge pro-inflammatoire, et où tout un protocole alimentaire est à établir pour vous permettre d'avoir effectivement une régénération de votre paroi intestinale à partir du moment où effectivement c'est à partir de là que tout s'est joué par rapport à votre maladie auto-immune, notamment quand on parle de perméabilité intestinale, voire de dysbiose qui s'installe. Donc ça, c'est vraiment crucial de prendre soin de votre patrimoine intestinal, hein, de votre ventre effectivement. On se connaît maintenant le rôle extrêmement important de l'intestin et c'est particulièrement le cas dans la collaboration entre le système digestif et le système hormonal. Et donc, soyez effectivement très attentifs à votre intestin. Alors, le deuxième organe dont il va falloir prendre un très grand soin, c'est votre foie. Pourquoi ? Parce que c'est votre foie qui va prendre le relais de votre glande thyroïde et faire la transformation de cette hormone que l'on vous donne de forme inactive en forme active. Alors, comment faire pour effectivement prendre soin de votre foie ? Eh bien, première chose, évitez tout ce qui est aliments industriels. Revenez à une alimentation naturelle, donc qui est faite de fruits, de légumes, beaucoup plus de légumes que de fruits, de viande blanche, de viande de qualité, de graisse surtout, de graisse de qualité également, les avocats, l'huile de coco, l'huile d'olive, effectivement équilibrer correctement votre apport en graisse type oméga-3 par rapport aux oméga-6, donc oméga-6 qu'on retrouve en général dans la plupart des aliments transformés, mais également dans différents types de viande rouge, dans différents types d'huile aussi, comme les huiles de tournesol, etc. Donc moi, pour ma part, en tant que nutritionniste, je vous conseillerais d'utiliser uniquement les huiles d'olive et les huiles de colza, ou les huiles de coco, également le ghee. Alors, huile d'olive, huile de coco et ghee, vous pouvez tout à fait les utiliser en cuisson. L'huile de colza, certainement pas, elle s'oxyde extrêmement vite, donc c'est uniquement pour les préparations froides. Alors, autre chose pour prendre soin de votre foie, c'est prendre, après votre hormone thyroïdienne et après avoir attendu 20 minutes, donc par exemple, vous prenez votre hormone thyroïdienne avant de prendre votre douche, vous vous préparez et puis vous commencez effectivement votre repas du matin, votre petit déjeuner, c'est de prendre à nouveau à jeun un jus de citron dans de l'eau chaude ou dans de l'eau tiède, mais certainement pas froide. Ça va aider grâce à la vitamine C, ça va aider votre foie à effectivement détoxiquer,
et ça va également alcaliniser votre terrain et donc ça ne sera que bénéfique pour votre santé. Alors, il va falloir également, tout aussi bien pour le foie que pour l'intestin, gérer les émotions, gérer le stress, hein, gérer la colère, puisque le foie est vraiment l'organe de la colère. Gérer les émotions, pourquoi ? Parce que l'on sait que l'intestin est le deuxième cerveau, il est le siège de la fabrication de neurotransmetteurs comme la sérotonine et autres. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais ce sont toutes les hormones, entre guillemets, de la bonne humeur qui vous permet d'être effectivement en santé et en santé mentale, donc en joie, qui vous permettent effectivement d'avoir un calme intérieur qui très certainement sera d'une grande importance pour que ces hormones thyroïdiennes puissent effectivement faire leur travail à la place de votre thyroïde. Alors, N'hésitez pas non plus, excusez-moi, au niveau de l'activité physique. Donc, oxygénez-vous, bougez de manière régulière pour pouvoir effectivement également soit gérer le stress, soit augmenter la circulation sanguine et donc fatalement l'étape à un moment donné de détoxification, détoxication du foie. Décidément, aujourd'hui j'ai du mal. Excusez-moi à ce niveau-là. Détoxification c'est tout à fait un autre terme, et donc vous aidera également à optimaliser votre apport d'hormones thyroïdiennes au cours de la journée. Alors il faut savoir également que les hormones thyroïdiennes peuvent interagir avec certains médicaments, et donc certains médicaments peuvent diminuer l'effet ou diminuer l'absorption correcte de ces hormones thyroïdiennes, comme par exemple la pilule contraceptive. En général, il va falloir augmenter un petit peu les doses si vous prenez la pilule contraceptive. Également, certains types d'antibiotiques et donc tous les médicaments, qui modifient la flore intestinale et la capacité à votre intestin à fonctionner effectivement correctement. Donc, faites attention à cela. Demandez éventuellement à votre médecin, qui normalement devrait être au courant, avant de vous prescrire tel ou tel médicament, s'il n'y a pas d'interaction possible avec les hormones thyroïdiennes. C'est effectivement extrêmement important. Alors, au niveau de la cicatrisation, donc c'est une cicatrice, moi je l'ai appelée au tout début mon deuxième sourire. C'est une cicatrisation qui est lente, qui prend entre 1 an et 2 ans pour effectivement être optimale. Protégez-vous du soleil, c'est extrêmement important pour ne pas faire brunir votre cicatrice. Donc mettez un écran total, des sparadraps protecteur au-dessus de votre cicatrice, mettez un foulard. Alors oui, je sais, vous allez me dire, oui, pendant 1 an, voire 2 ans, ben écoutez, oui, je crois que c'est pas très demandant ou exigeant par rapport au fait que vous puissiez avoir une cicatrice qui ne se voit absolument pas, à partir du moment où, bien sûr, vous n'avez pas fait d'allergie au fil de suture, ou vous avez un bon chirurgien qui fait un petit peu son travail comme un dentelier, et qui prend grand soin effectivement de pouvoir faire la suture de manière tout à fait esthétique. Donc au niveau donc de la cicatrisation, ne vous étonnez pas non plus juste après l'opération si vous avez un cou qui est extrêmement gonflé, parce qu'il faut quand même bien se rendre compte que malgré tout on vous a effectivement enlevé la glande thyroïde, mais l'extension de la peau au niveau donc du cou a dû quand même se faire de manière assez drastique. Donc il va falloir attendre, allez, je vais dire 15 jours, 3 semaines pour que vous n'ayez plus pas l'impression d'avoir encore ce goitre si vous en aviez un. Hein. Mais ça se passe, ça se calme tout à fait. Alors autre chose également, écoutez-vous, écoutez votre fatigue, ralentissez, ne présupposez pas de vos forces parce que vous allez ressentir une fatigue quand même assez extrême, ou alors quand vous allez vous sentir en forme et que vous allez vraiment revenir à un rythme normal, très très vite, vous risquez d'avoir des coups de pompe, des vertiges, même à la limite légèrement des nausées. Donc réellement, pendant au moins 1 mois, vraiment au minimum, je veux dire, reposez-vous, diminuez votre rythme si vous en avez la possibilité. Je veux dire, essayez de gérer vos tâches quotidiennes d'une autre manière. Faites-vous aider par votre conjoint, faites-vous aider par votre famille. Parce que c'est extrêmement important d'avoir une convalescence optimale pour que
les différents organes qui sont en vous s'habituent au fait que ce n'est plus votre thyroïde qui est le chef d'orchestre, qu'elle n'est effectivement plus là. Et tout ça est un équilibre extrêmement complexe qui a besoin de temps pour se rétablir. Donc surtout, ne présumez pas de vos forces. De toute façon, votre corps, à un moment donné, vous forcera à vous le rappeler si vous ne le faites pas tout de suite. Alors voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter quelques réponses, ou du moins de vous rassurer par rapport à cette opération si jamais vous devez la faire. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo si jamais vous aviez des questions par rapport à cela. Je me ferai un plaisir de partager avec vous mon vécu de cette opération, donc de la thyroïde, et surtout l'après-thyroïde, où effectivement on peut avoir aussi d'autres types de questions, notamment par rapport au poids. Donc je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.